Urban Time. Ça va, je suis nerveuse. Il faut me dire de se taire parce que j'arrive pas en classe, à la maison, même à 23h. Ma mère elle doit venir toquer à la maison pour dire arrête de chanter, c'est trop tard. Ben, si j'en parle maintenant, ça va être la première fois que je l'ai dit vraiment. Donc, je pense que c'est une bonne occasion. En fait, je suis fille unique et quand j'étais petite, ma mère elle était enceinte. Et on a toujours dit que si on avait une petite fille, si j'avais une petite sœur, on l'appellerait Jimena. C'est un prénom en espagnol. Je vais à la maison en pleurant et j'avais compris qu'elle avait perdu le bébé. Donc voilà, c'est un hommage à cette petite sœur que peut-être j'aurais. J'ai pris les quatre dernières lettres de son prénom. Pour la guitare, je prends des cours depuis un bon moment déjà. Mais non, le piano, je fais à l'oreille ou bien je m'inspire des tutoriels sur YouTube. D'accord. C'est absolument pas, enfin, ça m'est pas venu en tête. Je trouve que c'est quelqu'un de génial. Franchement, enfin, je l'ai connu au début de. Enfin, ouais, vers le milieu de ma 8e année, bah, justement par cette amie en commun qu'on avait. En fait, c'est elle d'abord qui devait lui montrer comment elle dansait parce que puis aussi, enfin, je crois qu'il était un peu dans la danse, voilà. Et moi je l'ai juste accompagné en fait, j'avais absolument aucun contact avec Pete. Et il nous a parlé de son groupe pendant un moment où on parlait, voilà, on faisait rien. Puis mon ami qui savait déjà que je chantais et que j'adorais la musique, elle me fait mais elle chante et tout. J'étais là non mais t'es sérieuse, enfin, elle m'a vraiment mis dans un compromis et puis depuis là j'ai chanté pour lui, ça lui a plu et voilà. Et ben, depuis là, je trouve que c'est quelqu'un de génial, toujours souriant. Enfin voilà, je l'apprécie vraiment énormément. D'accord. Je voulais commencer les covers, faire des covers avec celui qui m'accompagne aujourd'hui, mon ami Dat, ou bien toute seule à la maison. Mm-hmm. Sauf que j'ai commencé une année très dure avec les gymnases et puis j'avais absolument pas de temps. Donc voilà, mais pour cette année, on va voir encore quelques projets avec Arma. Je pense qu'on va avoir quelques trucs encore en studio et on verra. Mais je pense surtout pour l'année prochaine, je vais sérieusement m'y mettre au cover. D'accord. Bah, je l'ai apprise par Facebook en fait. Puis quand je l'ai su, j'étais là quoi. J'ai resté 5 minutes devant mon ordi à reprendre conscience parce que j'étais vraiment pas au courant. Et donc ça m'a fait énormément de peine parce que je me suis dit mince, je vais passer du temps avec eux, on va plus faire ce qu'on aime tous ensemble. Et voilà, franchement, au début, ça m'a énervée, enfin pas énervée, mais ça m'a fait plus de peine qu'autre chose. Et puis ben voilà, après on a repris avec Arma, il a reconstruit son truc et voilà, super cool. Quand j'ai écrit mes chansons, la première chose qui m'inspire c'est mon vécu, c'est mes histoires. Trying to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a way to my bones, I am looking for freedom.